Sur de l'horreur ou pas du tout horreur? Telle est la question qu'on se pose. What's up à vous les Katchadik et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jimbo et c'est un plaisir de vous accueillir aux commentaires aujourd'hui. Alors, Isumu The Horror Show. C'est vrai qu'on était un peu dans le doute de se dire WWE, voilà, vous nous sortez un nouveau slogan, The Horror Show. Alors qu'on a l'habitude depuis 2009 d'avoir un Isumu sur les règles extrêmes, donc hommage à la légendaire Extreme Championship Wrestling, donc anachroniquement il y a ECW. Et à WWE, vous nous mettez The Horror Show. Donc est-ce qu'il y a eu des règles extrêmes ou pas? On va voir ça dans la vidéo. Et en plus, je tiens à me préciser que au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé Raw parce que j'ai pas voulu vous faire une vidéo review entière de uniquement Extreme Rules, parce que comme vous allez voir dans la review, il y a beaucoup d'interrogations et on avait les réponses qu'à Raw. On commence par le kick-off. Et oui, il y avait un kick-off, mais à la différence de Backlash, le kick-off nous a été annoncé il y a quelques heures avant Extreme Rules et que ce n'était même pas un match qui était déjà programmé, c'est un match qu'ils nous ont rajouté à la dernière minute. Kevin Owens affronte Murphy. D'habitude, c'est vrai que les kick-offs, je ne regarde pas forcément, parce que souvent, les kick-offs, ils n'ont rien à voir avec les storylines en cours, mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que comme vous le savez, Kevin Owens a fait son retour lors d'un Kevin Owens Show, et ce dernier donc a choisi le camp de Rey Mysterio. Donc au final, on a vraiment de manière assez indirecte le camp de Rey Mysterio et le camp de Seth Rollins. Et bah sans surprise, victoire de Kevin Owens avec son bon vieux stunner. Et donc là j'ai décidé de noter les matchs. Donc là je vais noter un petit 6 sur 10. Allez, un petit 6 sur 10, un kick-off assez sympa et en espérant que le show va démarrer sur les chapeaux de roue. On enchaîne avec la carte principale. Les champions par équipe de SmackDown, le New Day contre Shinsuke Nakamura et Cesaro dans un match de table. Et bah alors là, je peux vous dire, WWE, vous pouviez pas faire mieux comme opener. Déjà, un match de table. Donc déjà, on rentre directement dans les règles extrêmes. Donc beaucoup de fans qui craignaient que la WWE avait abandonné les règles extrêmes pour vraiment partir dans l'horreur, je suis pas forcément de votre avis en voyant un match de table. Et c'est vrai que franchement, un excellent match de table. Et bien sûr, il y a eu des anticipations quand on voit que Nakamura pose une deuxième table sur une autre table. On s'est dit, bon, le spot final, ils vont passer à travers les deux tables. Et ça a été le cas, mais pas Cesaro et Shinsuke Nakamura. Et ben non, on voit que Cesaro qui tente un powerbomb sur Kofi, il le fait passer à travers deux tables. Hein? Oh putain, j'étais pas bien. J'ai dit putain, j'étais pas bien. J'avais surtout peur pour Kofi que voilà, qu'il se rate, mais ça va. Kofi tient coup. Et le show démarre par un changement de titre. Et le show démarre mal pour moi parce que dans mon Jim Bonostic, j'avais pronostiqué Cesaro et Shinsuke Nakamura perdants. Donc bah moi ça commence bien, je ne gagne pas de points. Mais on a quand même Cesaro et Shinsuke Nakamura, nouveau champion de SmackDown. Et à noter que Cesaro devient pour la 7e fois champion par équipe et avec un 3e partenaire différent. Parce que oui, comme vous savez, Cesaro a été champion avec Tyson Kidd, il a été 5 fois champion par équipe avec Sheamus, et là, il y avait Shinsuke Nakamura. Bon, franchement, je ne suis pas contre le règne de Cesaro et de Shinsuke Nakamura, mais ce qui me fait peur, c'est que ça risque de ne pas durer longtemps. En effet, comme vous savez, les New Day sont les chouchous de Vince McMahon du côté des équipes, et on sait depuis des mois que WWE, et principalement Vince McMahon, veut placer les New Day comme étant la plus grande équipe de tous les temps. Donc déjà, ils ont le règne le plus long de l'histoire, et bah maintenant, la WWE veut que ces derniers battent le record des Dudley Boys en termes de nombre de règnes. Donc le record de ces derniers est de 9, les New Day est à 8. Donc le seul moyen qu'il faut, c'est que les New Day perdent les titres rapidement, mais ils récupèrent quasiment aussitôt. On a eu ça en début d'année, où le New Day a perdu face à Miz et Morrison en Arabie Saoudite, et 2 semaines après WrestleMania, il récupère les ceintures. Donc là, ce qui me fait peur, c'est qu'on risque d'avoir la même chose, et que malheureusement, bah, le règne de Shinsuke Nakamura et de Cesaro risque de ne pas durer très longtemps. Donc là, maintenant, on passe aux notes. Franchement, je note un bon 7 sur 10, un énorme 7 sur 10, parce que pour moi, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux comme opener. Un match de table, ça donne largement le rythme du pay-per-view, et puis surtout, pas un changement de titre.
On passe au deuxième match de la soirée, toujours dans la continuité de SmackDown. La championne Bayley défend face à Nikki Cross. Franchement, le match est assez correct, mais mention honorable pour moi à Nikki Cross. Parce que comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, Nikki Cross pour moi c'est la fofolle du côté de SmackDown, c'est la psychopathe écossaise du côté de SmackDown. Et on a vu durant le match que Nikki Cross, une fois qu'elle est lancée, Bayley, elle peut pas suivre. Mais comme vous le savez, Bayley et Sasha Banks, ça fait des mois qu'ils ont pris un abonnement aux tricheries. Et fallait s'y attendre. À un moment donné, on a Sasha Banks qui donne donc une de ses bagues qu'elle porte d'habitude à ses entrées où il y a écrit The Boss. Elle les donne à Bayley. Et pendant ce temps, on a Sasha Banks qui distrait l'arbitre pour permettre à Bayley de frapper Nikki Cross avec, comme, avec une sorte de point américain. Donc elle utilise ça comme un point américain. Dans le but de conserver son titre de SmackDown. Bah d'un côté, franchement, je trouve que l'idée est assez géniale parce que au moins ça permet de garder Nikki Cross tellement forte qu'au final elle perd pas de crédibilité due à sa défaite parce qu'elle perd mais avec triche. Donc et puis surtout comme vous le savez, Nikki Cross et Alexa Bliss sont en rivalité avec Bayley et Sasha Banks du côté de la division par équipe féminine. Donc on peut s'attendre à SmackDown un petit règlement de compte entre les deux. Et on peut dire que là, Bayley, c'est officiel, elle est championne. Et donc, si je dois noter le match entre Bayley et Nikki Cross, je mettrai un petit 7 sur 10. Mention surtout à Nikki Cross qui a bien animé le match. On l'a bien vu dès qu'elle est lancée, elle est inarrêtable. Et là, on passe au troisième match de la soirée. Le champion Apollo Crews défend son titre face à MVP. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas eu de match. En effet, on a... MVP qui annonce que Apollo Crews est blessé dû aux dernières attaques de Bobby Lashley avec son Foot Nelson. Donc Apollo Crews déclare forfait et MVP s'autoprogramme champion des États-Unis. Ah, oh putain, ça veut dire que moi par exemple, si je vais à la WWE, bah tiens, je vais me proclamer champion de la WWE. Eh les gars, vous me connaissez pas, je m'appelle Jimbo, en fait, je me suis autoproclamé... champion de la WWE, j'espère que ça vous gêne absolument pas. Et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous fermez votre gueule. Et bah là, c'est ça. MVP, c'est autoproclamé champion des États-Unis. Mais à noter qu'il est autoproclamé, mais il n'est pas réellement champion des États-Unis. Parce qu'il n'y a aucun officiel qui a validé ça. Parce que les situations de forfait, on en a déjà eu. Mention donc à Seth Rollins en 2014, où il était le chouchou d'autorité. Il affrontait Dean Ambrose et Roman Reigns sur deux pay-per-views différents. Ces derniers ne pouvaient pas venir. Et bah de ce fait, Seth Rollins donc ordonne à un arbitre de compter jusqu'à 10. Et après, s'il vient pas jusqu'à 10, il valide le forfait. Bah là, on n'a pas eu d'arbitre, rien du tout. Donc en gros, MVP s'est présenté comme la voix divine. Allez hop, je m'autoprogramme champion des États-Unis. Et donc, spoiler alert, parce que je vais parler de Raw, j'ai regardé Raw. Bah on a MVP qui continue donc à s'autoprogrammer champion des États-Unis. Mais on a... Ricochet et Cédric Alexander, donc les copains de Apollo Crews qui disent tout simplement « Mais t'as pas à te prononcer, t'auto-proclamer champion des États-Unis. » Et mention, on a eu le retour de Mustafa Ali du côté des Rouen. Mais je vais aller donc sur les questions que beaucoup de gens se posent, c'est que pourquoi Apollo Crews n'était pas là pour défendre son titre. Bon, ce sont des rumeurs dévoilées par Dave Meltzer. Apparemment, Apollo Crews aurait été testé positif au C19. Donc C19, ça va être l'appellation du virus actuel qu'on connaît tous, le coronavirus. Donc moi, je vais l'appeler le C19. Donc au final, ça reste que des rumeurs parce que comme vous savez, il y a WWE interdit à ses officiels et encore à ses catcheurs de dévoiler sur leurs réseaux sociaux si ces derniers sont testés positifs ou ils ont des syndromes du C19. Et bah donc ça peut en... donc au final Apollo Crews n'était pas capable de venir catcher Ice to Moon, donc il est resté en quarantaine. Mais je tiens à préciser que ce sont que des rumeurs. Donc là on passe au prochain match, et un des matchs que beaucoup de gens voulaient attendre parce que c'est vrai que sur papier c'était génial, mais la situation posait quelques problèmes. Le match œil pour œil entre Rey Mysterio et le Monday Night Messiah Seth Rollins. Et bah franchement, j'ai été agréablement surpris. Bien que la stipulation était vraiment WWE, ils sont pas allés chercher bien loin. Parce que voilà, on sait tous, c'est du catch. Donc ils vont pas réellement arracher l'œil. Donc on faille s'y attendre que les catcheurs n'allaient pas avoir vraiment leur œil. On se barrait, non, faut pas exagérer.
Donc, fallait bien s'y attendre. Et comme j'avais dit dans mon Jimbo aussi, j'aurais pu se préférer qu'il vienne blesser son adversaire à l'œil. Mais pas de n'importe quelle manière. Donc, pour anecdote, je regardais donc le live de Ali de Catch Club. Donc, son live réaction de pay-per-view. Et j'avais fait mention que j'aurais bien voulu que le match se termine avec l'un des deux catcheurs qui blesse son adversaire à l'œil avec les escaliers en acier. Qu'on est vraiment dans le thème du Messie. Qu'on a le sacrifié qui est présenté face aux escaliers en acier qui sont représentés comme l'autel du sacrifice. Et bah personnellement, je n'ai pas été déçu et je pense que je suis médium quoi. Je crois que j'ai des pouvoirs divins. Donc Seth Rollins, je crois que t'as perdu tes pouvoirs de Messie. C'est moi maintenant Messie parce que ce que j'avais prédit est arrivé. Enfin bref. Donc franchement, match, bien que la stipulation soit pas géniale, le match est excellent. Franchement, j'ai bien aimé le match. De voir que vraiment les deux catcheurs ont tenté de blesser son adversaire à l'œil. Comme on voit par exemple, ils utilisent des kendo sticks, donc mangent du kendo sticks, les pieds, des chaises, ou même Rey Mysterio qui va jusqu'à casser un kendo stick dans le but d'avoir des petits morceaux pour les planter dans l'œil de Seth Rollins. Et donc comme vous avez deviné, c'est un match sans disqualification. Donc le tournant du match, c'est que Seth Rollins a failli perdre son œil et il fait un low blow, stomp. Et il blesse Rey Mysterio à l'œil. Mais franchement, j'ai bien aimé la fin où Seth Rollins a tellement vendu le fait que ce qu'il a fait, ça l'a dégoûté, que c'était horrible. Il en a vomi. Il a vomi et franchement, c'est super. Il a super bien vendu le contexte. Mais bien sûr, comme vous le savez, catch. Donc on nous annonce un peu plus tard que Rey Mysterio a été évacué, qu'il est à l'hôpital, qu'il a eu les premiers diagnostics. Et que sa vue n'aura pas de séquelles. Il fallait bien savoir. Et puis surtout qu'on voit une image vite fait de Rey Mysterio qui se tient le visage. Et on voit un bout d'œil qui dépasse. On voit vraiment que c'est un œil en plastique. Donc n'allez pas partir dans le fait « Hey, Seth Rollins, t'as rendu Rey Mysterio aveugle, tu vas me payer !» Non, c'est du catch, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il faut être débile pour dire « Ouais, il va vraiment lui arracher son œil. » Non, c'est du catch. On va pas avoir Vince McMahon n'est pas aussi fou que faire risquer la vue d'un de ses catcheurs quoi. Donc, et comme vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent sur ce match parce que Rey Mysterio depuis quelques temps n'est plus sous contrat à la WWE. Donc la victoire dépendait vraiment de la décision de Rey Mysterio. Donc on suppose que comme Seth Rollins a battu Rey Mysterio, bah on peut supposer que Rey Mysterio et la WWE n'ont pas encore trouvé d'accord ou que justement les négociations prennent plus de temps que prévu. Et donc, la WWE cherche à éloigner Rey Mysterio des rings pendant les négociations. Donc là, maintenant, on passe à la note du match. Je vais mettre un 8 sur 10. Franchement, je mets 8 sur 10. Dites-moi si comme moi, vous mettez un 8 sur 10. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé. Bien que la stipulation, comme je me répète, était dégueulasse, était pourri. Mais le match a été très bien centré sur ce principe de blesser son adversaire à l'œil, de lui arracher son œil. Et donc là, on passe au dernier match féminin. La championne de War, Asuka, défend son titre contre l'autre moitié des championnes par équipe, The Boss, Sasha Banks. Ah bah là, la soirée des autoprogrammés, ça continue. Franchement, je pensais pas que Bayley était aussi fourbe que ça. Parce que tout simplement, le match est assez correct. N'empêche, Sasha Banks et Asuka sont de très bonnes catcheuses, mais faut noter qu'à un moment donné, Asuka est sur le point de gagner, elle fait taper Sasha Banks, mais Bayley intervient, donc distrait l'arbitre en donnant une des ceintures à Sasha Banks, elle vient pour intervenir, donc Asuka la vire, Sasha Banks tente de tricher, ça marche pas, et on a le tournant du match. Asuka qui tente la projection du Green Mist sur Sasha Banks. Mais Sasha Banks, par réflexe, donc CK, et c'est l'arbitre qui prend le Green Mist, donc l'arbitre il est out. Et donc Bayley, comme vous savez, comme j'ai dit, elle a pris un abonnement à la tricherie, elle va taper Asuka avec une des ceintures qu'elle possède, et comme l'arbitre n'est pas là pour valider de tomber, ah bah Bayley. Autoproclamé arbitre. Hein? Et elle fait tomber. Elle fait le compte. 1, 2, 3. Les commentateurs, donc Samoa Joe, Michael Cole et Corey Graves, ils savent plus où se mettre. Ils savent plus où se mettre. Ils doivent dire, attends, c'est officiel ou c'est pas officiel?
Est-ce qu'on doit dire à ceux qui regardent le pay-per-view sur WWE Network, est-ce qu'on doit leur dire que c'est officiel, que Sasha Banks est championne? Et même le responsable de la gauche, est-ce qu'il doit valider le match? Et bah, les deux catcheuses se battent avec la ceinture de Sasha Banks. Et je vois les réseaux sociaux, tout le monde se dit, ouais, est-ce que Sasha Banks est championne? Donc je vous réponds, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, vous allez sur le site officiel de la WWE, vous allez sur l'onglet Superstar, et vous voyez que Asuka est toujours championne. Et donc on passe, donc spoiler alert, on passe à Raw. On a Bayley et Sasha Banks donc, qui se vantent, voilà, que l'une a battu Nikki Cross pour récupérer son titre, et que l'autre a battu Asuka pour devenir championne. Sauf que c'est pas vrai, déjà même les commentateurs disent non, c'est Asuka, la véritable championne. Et on a la patronne de la division féminine, Stephanie McMahon, qui annonce que la semaine prochaine à Raw, on aura un rematch entre Sasha Banks et la championne Asuka. Donc c'est officiel, Asuka est toujours championne. Dans un match où si Sasha Banks doit gagner, elle doit le faire que par tombée ou soumission. Elle ne peut pas se faire disqualifier, elle ne peut pas être décomptée à l'extérieur, elle peut pas être décomptée à l'extérieur. Et si Bayley vient à intervenir, Sasha Banks perd le match et ainsi perd son opportunité de devenir championne de Raw. Donc moi personnellement, je vais faire un pronostic vite fait de ce match à Raw. Je vais pronostiquer donc Asuka toujours championne, mais Bayley qui fait une intervention. Parce que comme vous le savez, beaucoup de youtubeurs en parlent, tout le monde attend la rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Et on a SummerSlam qui arrive, SummerSlam arrive bientôt. Donc lancer la rivalité entre Bayley et Sasha Banks et commencer là dès la semaine prochaine. Ah ouais, les officiels, nom de Dieu, nom de Dieu, faites cette rivalité. On attend que ça depuis des mois et ça passe par là. Bayley qui intervient, qui n'a pas pu s'empêcher d'aider sa meilleure amie. Bam, Sasha Banks n'est plus championne. Ça entraîne des discords entre les deux et ça tabasse. Voilà, vous avez votre match. Donc enfin bref, maintenant on passe à la note. Je vais mettre un petit 7 sur 10. Vraiment, petit 7 sur 10. J'ai pas envie de mettre 6, donc je vais mettre un petit 7 sur 10. Vraiment pour dire que voilà, bah, le match est assez correct, mais c'est surtout la fin qui est très controversée. Donc là, maintenant, on passe au seul titre mondial qui est défendu. Le championnat de la WWE, Drew McIntyre, le champion, défend face à Dolph Ziggler. Et bah franchement, j'ai aimé ce match. J'ai adoré ce match. Parce que du fait que Dolph Ziggler avait le choix de la stipulation et il a joué sur le mental de Drew McIntyre jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas divulguer la stipulation jusqu'au jour J, et bah c'est vrai que les réseaux sociaux, tout le monde s'en vaillait en disant oh, ça va être quoi comme match, etc. Et ça se voit qu'aussi qu'à WWE, ils se sont vraiment pas fouillés du tout, parce que Dolph Ziggler nous annonce la stipulation, ce sera un Extreme Rules match. Mais Extreme Rules match que du côté de Dolph Ziggler, donc c'est-à-dire que Dolph Ziggler, il peut tout faire. Il se fera pas des comptes à l'extérieur, il se fera pas disqualifier, nada. Lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais par contre, Drew McIntyre, lui, c'est un match sain. Donc s'il veut gagner, il doit le faire par tomber ou soumission. Mais Dolph Ziggler annonce aussi que si Drew McIntyre se fait décompter à l'extérieur ou se fait disqualifier, il perdra automatiquement la ceinture. Donc, c'est vrai, il faut dire, choix de stipulation à WWE, c'est vraiment pas fouillé. Mais Dolph Ziggler a vraiment été très intelligent. Il a vraiment joué sur cette stipulation. Il a vraiment fait des choses qui allaient à son avantage, parce que là il positionne Drew McIntyre dans une situation où mon adversaire peut faire ce qu'il veut mais moi je peux pas. Donc au final Dolph Ziggler pense qu'il a pris l'ascendant psychologique et c'est vrai qu'il a mis Drew McIntyre en PLS, parce qu'on le voit, il a remonté le service à papa de Drew McIntyre, il lui a fait passer à travers une table et il a utilisé des chaises, surtout qu'à un moment j'ai cru que Dolph Ziggler allait vraiment battre Drew McIntyre parce qu'il lui fait son Ziggler Dropper. Il enchaîne sur un zigzag et il fait un rock bottom sur une chaise. Donc pourquoi il fait un rock bottom? Donc je vais faire une petite parenthèse sur ça. Parce que The Rock a réagi sur une photo de Dolph Ziggler sur les réseaux sociaux en montrant Dolph Ziggler avec le titre de champion de la WWE. Et donc au final, The Rock a réagi à ça en disant que si Dolph Ziggler devient un champion, il achète ce programme. Et donc au final, ça a fait un petit clin d'œil assez sympa. Mais enfin bref. Bien que Dolph Ziggler fasse tout et n'importe quoi pour mettre vraiment Drew McIntyre en PLS, et Drew McIntyre est cheaté, il est over, parce que ça n'a servi à rien, parce que Drew McIntyre s'est toujours dégagé au compte de deux, qu'il croyait même pas, et Dolph Ziggler tente le super kick, bam, Claymore venu de nulle part, il lui a arraché la tête, 1, 2, 3, fini. Drew McIntyre, toujours champion de la WWE.
Et on passe à Raw, donc spoiler alert, où Dolph Ziggler réclame un nouveau match à Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre est d'accord pour ce match, mais il veut faire le coup d'arroseur arrosé à Dolph Ziggler. C'est-à-dire que Drew McIntyre, cette fois-ci, aura le choix de la stipulation. Mais Dolph Ziggler n'est pas d'accord avec ça au début, mais il finit par céder. Et donc, Drew McIntyre a le choix de la stipulation et le choix de la date du match de championnat. Et donc, Dolph Ziggler réclame le choix de la stipulation de Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre fait le coup d'arroseur arrosé à Dolph Ziggler. Parce qu'en effet, il lui dit, mais mon pote, tu crois que je suis bête? Je vais pas t'annoncer la stipulation en 10 secondes et en claquement de doigts. Non, tu connaîtras la stipulation qu'au moment de venue, c'est-à-dire le moment du match. Et bah donc, au final, ça met vraiment Dolph Ziggler en mauvaise posture parce qu'il sait pas quelle stipulation Drew McIntyre va choisir. Et ça lui permet de voir ce que Drew McIntyre a ressenti lors de son match à Isumu. Donc là, si je dois noter le match, je vais mettre un bon 8 sur 10. Parce que franchement, bien que la stipulation soit vraiment pas foufou, la WWE, surtout Dolph Ziggler, a très bien utilisé cette stipulation. Et surtout, ça a poussé Drew McIntyre, mais fort, tellement fort que son corps tout entier est une arme. Et comme il a dit, wow, mon corps tout entier est une arme. Et il a prouvé que Dolph Ziggler, peu importe les armes qu'il utilisera, Drew McIntyre n'a pas besoin d'armes parce qu'il en a déjà une. Il y a déjà une arme en permanence et c'est son corps. Donc bien sûr, il y a énormément de rumeurs qui courent sur Drew McIntyre parce que apparemment Drew McIntyre devrait perdre le titre d'ici peu pour le récupérer un peu plus tard. Parce qu'en effet, comme vous le savez, Drew McIntyre a été sacré champion de la WWE en battant Brock Lesnar à WrestleMania 36. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas eu les fans, il n'a pas eu son moment de gloire avec les fans. Donc ça gêne un petit peu la WWE. Donc la WWE veut faire perdre le titre à Drew McIntyre. Mais pas sous forme de punition. Au contraire, ils vont donner le titre à un champion de transition en attendant que la WWE puisse accueillir des fans et redonner le titre à Drew McIntyre pour qu'il puisse avoir ce moment de communion avec le public quand il récupérera le titre de la WWE. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup sont assez mitigés et c'est vrai que je suis un peu de leur côté parce que c'est vrai que le problème c'est que on aurait peur qu'au final le deuxième règne de Drew McIntyre sera pourri. Sachant que pour moi personnellement, le règne de Drew McIntyre à RAJ n'est pas fameux. Parce qu'en effet, Drew McIntyre, ses rivalités, il est fini vite fait. Contre Seth Rollins, Money in the Bank, c'était terminé. Bobby Lashley à Backlash, c'était terminé. Donc là, WWE rectifie tir en mettant Dolph Ziggler un peu plus longtemps. On reste à voir d'ici combien de temps ça va durer. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le match de championnat aura lieu. C'est Drew McIntyre qui aura le choix. Donc au final, on peut très bien avoir ce match à SummerSlam. Drew McIntyre qui choisit, tu m'affrontes à SummerSlam. Donc dites-moi dans les commentaires à quel moment vous voulez voir ce match. Parce que c'est vrai que maintenant, le destin est entre les mains de Drew McIntyre. Et là, on passe au main event de la soirée. Le match des marais de la famille Wyatt entre Braun Strowman et le mangeur de monde Bray Wyatt. Donc je tiens à préciser, Bray Wyatt, le mangeur de monde, c'est son ancienne gimmick. Et franchement, j'ai adoré. Bien qu'on savait que c'était un match cinématographique, j'ai surkiffé. Parce que comme vous le savez, c'est Bray Wyatt donc, qui a travaillé sur la mise au point de ce match de marécage. Et comme on sait que c'est lui qui a mis en place ce Firefly Funhouse match contre John Cena à WrestleMania 36, qui était génial aussi, on pouvait s'attendre à ce que ce soit pareil du côté du swap match. Et franchement, j'ai surkiffé. Avec vraiment des moments où on s'est senti vraiment en mode « Ah merde, je suis pas bien quoi !» Et ça a été le cas dès le début. On voit que Braun Strowman se fait attaquer par quelqu'un, il se retourne et c'est nul autre que Braun Strowman lui-même. Il y a la version de Braun Strowman 2015 quand il faisait partie de la Wyatt Family. Donc il se retrouve assommé. Il est dans la maison donc, de Bray Wyatt. Bray Wyatt joue un peu en mental en lui disant « Hey, comment t'aimes la maison ?» Qu'est-ce que ça te fait de revenir à la maison? Et à un moment où ça m'a fait paniquer, j'étais vraiment pas bien, j'ai fini blanc, mais vraiment, c'est le moment où on a un serpent. Donc, fallait s'y attendre, parce que comme vous savez, à SmackDown, Braun Strowman a parlé d'une histoire, donc sa première rencontre avec Bray Wyatt, où ils ont vu un serpent, Strowman a voulu l'écraser, et que Bray Wyatt a dit non, non, ne l'écrase pas, et Bray Wyatt a joué avec le serpent, et le serpent il a mordu plusieurs fois, mais ça faisait rien à Bray Wyatt. Donc il fallait s'y attendre. Mais sauf qu'à ce moment-là, je vous cache pas, j'ai fermé les yeux. Parce qu'en effet, malheureusement, les serpents, c'est ma phobie. Je ne peux pas regarder de choses avec des serpents. Donc que ce soit en vrai,
que ce soit à la télévision, je ne peux pas, c'est ma phobie absolue. Et même les serpents en plastique, ça me fait peur, mais vraiment à un point, mais vraiment démesuré. Donc à ce moment-là, j'ai fermé les yeux et franchement, quand j'entendais les morsures, après je tiens à préciser que c'est un python, donc ce n'est pas un serpent qui mord, donc Branstrowman ne va pas avoir de séquelles. Et donc on passe à un autre moment où Branstrowman se réveille à côté d'un feu de camp, il va se bagarrer contre deux gars, et moment cascade où Branstrowman fait voler un gars et ce dernier finit en feu. Et là, on voit une silhouette d'une femme, donc il fallait s'attendre à ce que ce soit Sister Abigail, donc c'est Sister Abigail, mais avec le visage d'Alexa Bliss. Et pour information, donc beaucoup de gens s'est demandé comment ça se fait que c'est Alexa Bliss qui soit Sister Abigail. Bah en fait, ils ont expliqué qu'en fait, grosso modo, Sister Abigail, c'est comme un épouvantard dans Harry Potter. Je fais un petit rappel. Les épouvantards prennent la forme des peurs des gens. Bah là, c'est le même concept que pour Sister Abigail. En effet, Sister Abigail prend le visage de la personne que tu désires le plus. Donc apparemment, la personne que désire le plus, Branstrowman, c'est Alexa Bliss. Et on voit quelques petits flashbacks de leur Mixed Match Challenge, donc la première édition, où ces derniers étaient en équipe et on voyait qu'il y avait des moments où ils étaient à deux doigts de s'embrasser et tout. Et franchement, j'ai bien aimé. Et là, on voit vraiment Bray Wyatt et Braun Strowman qui commencent à se bagarrer. Énorme chokeslam de Braun Strowman sur Bray Wyatt. Il le fait passer dans une bâche. Donc j'ai bien cru que Braun Strowman allait le faire passer carrément à travers le bateau. Et on voit que le bateau s'en va petit à petit. Et que le bateau revient, Bray Wyatt n'y est plus. Et là, ça commence à se bagarrer encore et encore. Et là, on voit Braun Strowman qui donne un énorme big boot, qui fait voler Bray Wyatt dans le haut. Et là, j'ai commencé à paniquer. Parce qu'en effet, on a vu le petit logo mais disant que c'était la fin du show. Et on a Braun Strowman qui dit « It's over ». Putain, c'est déjà fini? Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce match? Je suis là, ah ouais, il a foutu dans le haut, nada. C'est terminé comme ça. Et bah non, on a Bray Wyatt qui sort de l'eau et qui porte un Manibuckle sur Braun Strowman et qui attire dans le marécage et ça bagarre et tout. On voit que les deux superstars se finissent dans l'eau, donc on a eu un moment de silence où on suppose que les deux superstars sont noyés et on a d'un seul coup l'eau qui devient rouge et on a, je sais pas quoi dire, on a une personne qui sort de l'eau et c'est nul autre que. Et bah oui, The Fiend, Bray Wyatt qui sort de l'eau et qui termine le show en disant Let me in. Et franchement, j'ai surkiffé, franchement, j'ai aimé ce match. Donc, si je dois noter ce match, je mettrai un bon 9 sur 10. Vraiment, bon 9 sur 10 en match cinématographie. Parce que c'est vrai que beaucoup de fans disent Ouais, mais on en a marre des matchs cinématographiques, on est en overdose. Personnellement, j'y suis pas. Parce que la WWE ne nous met pas que des matchs cinématographiques. Il nous met certes un match cinématographique par pay-per-view, mais je trouve que c'est assez correct. Surtout quand c'est des matchs cinématographiques qui sont en lien avec la gimmick des catcheurs. Ben, on le voit avec Bray Wyatt quand il a fait le Firefly Funhouse match avec John Cena à WrestleMania 36. Et là, on le voit avec le swap match dans le marécage de la Wyatt Family. Et de ce fait. Bah, avantage, et je trouve que c'est très bien construit de faire rapper la famille Wyatt, de faire rapper Bray Wyatt, le mangeur de monde. Je trouve que c'est génial. Et là, le fait que The Fiend sort de l'eau, ça nous peut nous supposer qu'une chose, un match entre Braun Strowman et The Fiend, Bray Wyatt à SummerSlam pour le titre de champion universel. Après, reste à voir si la WWE compte nous refaire un match cinématographique entre ces deux catcheurs. Mais franchement, s'il nous refait un match cinématographique entre Braun Strowman et The Fiend, je suis partant. Je suis partant parce que pour moi, à la WWE, en dehors de Undertaker, Bray Wyatt est le seul avec sa gimmick qui peut permettre de faire ce genre de match cinématographique. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop spoilé Raw parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai parlé de Raw. Mais petite question, est-ce que, comme vous avez vu, il y a des matchs qui ont été retirés ou même qui n'ont pas été placés à Ice to Move. Donc on a eu information lors de SmackDown que Bar Fight entre Sheamus et Jeff Hardy a été déplacé à SmackDown. Et on devait avoir le match
entre Big Show et Randy Orton. Est-ce que personnellement vous aurez voulu voir ces matchs-là dans Ishimoto? Bah moi personnellement j'ai vu le match sans aucune sanction entre Big Show et Randy Orton. Personnellement non. Il reste à voir parce que franchement j'ai pas été fan. Ça nous a fait plus ou moins un copier-coller de Randy Orton contre le Big Show à Ishimoto 2013 où c'était un Ishimoto match. C'était exactement pareil. Il y avait vraiment où le Big Show tente de faire passer Orton à travers une table. C'est lui qui se prend. Orton qui fait son DDT, pas de la deuxième mais de la troisième corps. Il fait un premier RKO, ça passe pas. Il fait deuxième, ça passe. Il finit par un pot de kick. C'est du copier-coller. Donc moi, ils ont laissé ça à Raw. Et franchement, je suis totalement d'accord avec vous. Et donc là, maintenant, je passe à la note finale. Donc je vais noter grosso modo le show Ishimoto. Et franchement, si je dois donner une note, je mettrai un bon 8 sur 10. Donc un 8 sur 10 bien mérité. Ou franchement, c'est vrai que comme j'ai dit au début, j'avais peur qu'ils oublient plus ou moins les règles extrêmes et qu'ils aillent vraiment dans le thème de l'horreur. Et bah non, ils nous ont fait un petit mixte avec les matchs extrêmes, donc avec Cesaro, Shinsuke, Nakamura contre New Day, Drew McIntyre contre Dolph Ziggler et un petit peu de Seth Rollins contre Rey Mysterio. Et le côté horreur avait vraiment donc soit match entre Bray Wyatt et Braun Strowman et l'autre moitié entre Rey Mysterio et Seth Rollins. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne, et puis surtout, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo. Ciao, bye bye.